ma vie, elle a pas trop changé étant donné que je suis toujours sur la glace et que je suis très actif dans le monde du patinage. Bah, j'adore. Le matin, c'est vrai que des fois, je me dis ouf, ça va être dur aujourd'hui. Les jambes sont lourdes. Il y a eu un show hier soir. On a fait la fête. C'était une courte nuit. Est-ce que je vais avoir l'énergie pour épater le public, parce que c'est quand même plusieurs milliers de spectateurs qui viennent, ils attendent de voir quelque chose de grandiose. Donc c'est vrai qu'il y a un grand challenge quand même, c'est pas le challenge de la compète où tu te bats pour une médaille, où tu te bats pour un score, mais c'est vraiment de faire plaisir aux gens. C'est le monde du spectacle, c'est assez particulier, je dois dire. T'as une pression qui est différente, elle est bien là, et je me rends compte, tous les patineurs, on se dit mais on a quand même cette adrénaline, c'est pas comme en compète, mais elle est tout aussi forte. Et puis il n'y a pas le même challenge, mais on a envie quand même de bien faire, de faire une belle performance. Il y a des difficultés techniques qui sont incroyables, et tu finis le spectacle, t'es heureux, quoi. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais, vraiment. Ce que j'attends, moi, d'un patineur, et ce que j'attends aussi de moi-même, c'est justement que ça vienne du cœur, que ça vienne de l'intérieur, et puis que ça soit pas scolaire. J'ai pas envie de répéter 26 fois le même programme pour que ça soit, lors du gala, exactement comme j'ai prévu. J'ai envie qu'il y ait quand même un petit peu de fraîcheur, que ça soit spontané, que, ben voilà, comme la musique live, c'est jamais deux fois la même chose. T'as l'orchestre, t'as le batteur, ben il va faire différentes choses à différents moments, il va pouvoir te suivre, tu vas pouvoir t'adapter sur lui. C'est ça que j'aime finalement dans le spectacle, c'est les émotions qui sont imprévues. Il n'y a pas de mots, franchement, quand tu peux partager ça avec autant de gens, ça donne la chair de poule. Comme je disais avant, t'as pas envie de sortir de la glace, t'as juste envie de recommencer.